plaisir de vous retrouver pour ce tout premier numéro de la semaine de votre émission débat 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, bien bonjour et bienvenue. La filière véhicule d'occasion très mal en point au Bénin est incontestablement bien loin d'être le parent pauvre des secteurs bénéficiaires des réformes annoncées par le régime du nouveau départ du mois de juin. Au mois de mai, on tirait la série de mesures prises à son profit en est la preuve tangible. Elle a réjoui plus d'un et a fait croire à une renaissance très prochaine d'une filière en pleine agonie. Un optimiste, mais vite ébranlé par quelques récriminations et des bruits de bottes venant des acteurs de la filière eux-mêmes. Mais comment en est-on arrivé là et que se passe-t-il concrètement? L'espoir toujours de mise ou les efforts en vue de la relance de la filière définitivement plombé. 100% Bénin, le numéro du jour, voudrait juste passer à la loupe les questions qui fâchent autour de la relance de la dite filière sous le régime talon et au besoin, les mesures palliatives y afférentes. Thème du jour, réforme au niveau de la filière véhicule d'occasion au Bénin. Le gouvernement souffle-t-il à la fois le chaud et le froid? Deux acteurs de la filière, mais à divers niveaux de responsabilité, pour nous édifier sur la question. Mais avant de les retrouver, pour l'instant débat, un tour à la régie. Gros contributeur aux recettes douanières béninoises, le secteur des véhicules d'occasion n'est pas au meilleur de sa forme et demain ne semblerait pas être la veille. À côté de la volonté affichée par l'exécutif d'inverser la tendance des actes visant à tuer, la poule aux œufs d'or serait constamment orchestrée et minutieusement entretenue dans les arcanes du pouvoir. Allégation des acteurs de la filière qui s'en désolent et crient à ros sur le bonnet. Pour nous en parler, Mamè Azanou-Sessi, déclarant en douane, il est le secrétaire général du CONAV, le Conseil national des acteurs de véhicules d'occasion. Mamè Azanou-Sessi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous rejoindre. En face de lui, un autre acteur de la filière, Marouf Salami est son nom. Il est le président de l'AJDMDB, l'association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin. Marouf Salami, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous joindre à nous. C'est un plaisir. Mamè Azanou-Sessi, je me retourne vers vous. Une série d'arrêtés interministériels pris en vue de la relance de la filière véhicule d'occasion et pourtant ça gronde de plus belle dans vos rangs. Des caprices d'adultes ou de simples manèges pour amener l'autorité à en faire davantage? Merci, monsieur le journaliste. Pas quand même des caprices, mais si en avait, si on devait parler des caprices, il faut parler quand même des caprices d'un acteur bien averti parce que nous sommes, disons, les créateurs de cette filière, nous sommes au début et à la fin. Je crois, voilà une filière où l'État ne sort même aucun sou. L'État n'investit aucun sou. C'est par rapport au génie du Béninois que nous avons créé cette filière-là. Et je défie quiconque me dira le contraire. Et comme je le disais tantôt, c'est nous qui avions créé nous-mêmes cette filière. Donc je suis un vieux de la vieille, donc je ne peux pas être là. Et ce que nous avions reproché hier au gouvernement défunt, que cela se reproduise. Ce n'est pas ma mère, ça. Il faut quand même que nous ne sommes pas contre le gouvernement. Certes, nous avions observé une diminution de 100 000. Ce n'est pas peu, c'est bien. Mais 100 000 sur papier, il faut que la réalité soit sur le terrain. Donc, dans cet arrêté, moi, j'ai trouvé des incohérences parce que si on se rapprochait pour demander notre expertise, on n'en serait pas là. Mais bon, écoutez. Incohérence, de quoi s'agit-il? Oui, on en parlera plus amplement dans quelques minutes. Mais avant, la première réaction de Marouf Salami, qui est aussi sur ce plateau. Marouf Salami, que se passe-t-il? On a cru comprendre que l'autorité a trouvé la juste milieu, la juste mesure, j'allais dire, pour vous permettre de sortir la filière de l'Aulnay. Et déjà, beaucoup d'agitation. Qu'est-ce qui ne va pas? Merci beaucoup. Et contrairement à ce que les journalistes, les journaux publics un peu partout, ça dit c'est le contraire que se passe sur le terrain. Non, contrairement à ce que les journaux écrivent. Parce que ce gouvernement, nous avons tendance que ce gouvernement manipule les journalistes. Parce qu'ils sont payés à coup des millions et on voit que... vous n'avez pas la preuve de ce que vous nous dites. Nous avons les preuves parce que nous sommes des acteurs, nous sommes sur le terrain, on voit tout ce qui se passe. Donc ce qu'on a lu à travers les journaux n'est pas la réalité de ce qui se passe. Non, sinon comment vouloir faire une loi dans une maison sans associer les enfants de cette maison? Et on me dit que, voilà, mon grand frère, mon doyen a dit, ça dit, il y a des problèmes même dans l'arrêté là. Donc, au cours de débat, nous en avons plus.
en parler. Ah oui, on a hâte de savoir ce qui ne va pas. Mais Marouf a sorti un mot qui m'oblige à me retourner vers vous, Mamea Zano. C'est si l'arrêté en question qui fait réagir plus d'un, et donc vous, par exemple, il a été mentionné noir sur blanc que les acteurs de la filière ont été associés aussi bien à travers l'élaboration que dans l'exécution de ce qui se fait aujourd'hui. Oui, bon, non, mais écoutez, monsieur le journaliste... Oui, mais non, mais on retire quoi. Bon, mais retirez quand même le nom, parce que l'arrêté est devant moi. Et je dis, si les gens demandaient nos conseils, on allait quand même apporter notre expertise. Et aujourd'hui, il est clair que même si Bénin Contrôle, qui hier était le patrimoine du président de la République, est aujourd'hui reversé à ses enfants, où notre cher ami Boko Olivier en est l'administrateur, mais on ne peut pas faire un arrêté et mettre Bénin Contrôle directement dedans. Je dis bien, ça c'est un arrêté. Et l'arrêté, en son article 2, on dit « La société Bénin Contrôle SA, en collaboration avec la douane, assure le suivi électronique des véhicules d'occasion en transit et ce, avec l'appui du personnel militaire pour la sécurisation des parcs et des corridors de transit. » C'est un arrêté interministériel. On n'a pas besoin, même si c'est Bénin Contrôle qui devait exercer l'activité là, on n'avait pas besoin de mettre directement Bénin Contrôle, qui est une société privée, hein, directement dans l'arrêté. Non. Et demain, si on veut prendre un autre arrêté, on va écrire quoi? Vous trouvez qu'on accorde non, c'est à pas Bénin normal. Contrôle la même posture que... Que la douane, mais même pas, ça dit, mais est-ce qu'on doit mettre... Je suis d'accord que Bénin Contrôle, en tant que société privée, exerce l'activité dont on parle. Mais on ne doit pas mettre directement Bénin Contrôle dans l'arrêté. C'est ce que je dis. C'est si simple. Je ne suis pas juriste, mais je dis, pour le peu de mon petit bonhomme de chemin que j'ai effectué au port, là, voilà un arrêté où on met directement Bénin Contrôle dedans. Non, ça ne se fait pas. C'est à l'État maintenant de signer un contrat entre Bénin Contrôle et lui. Mais quand vous mettez directement Bénin Contrôle dans l'arrêté, je dis que ce n'est pas normal, ça ne se fait pas. En quoi ça gêne les acteurs pour tuer? Vous trouvez que Bénin Contrôle occupe la même posture que vous? Mais si c'était même le cas, ce n'est même pas la même posture. Bénin Contrôle est juge et parti. Parce que quand vous allez plus loin là, quand on parle de suivi de la filière, moi je dis d'accord, une chose est de prendre un arrêté, de diminuer le coût, mais il faut quand même de suivi sur le terrain. Mais c'est nous les acteurs. Il y a un comité de suivi. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je dis, l'importateur reste et demeure l'alpha et l'oméga de cette filière. Ce n'est pas l'État qui leur donne de l'argent pour aller en Europe, passer dans le froid pour ramener des véhicules ici. Donc c'est l'importateur qui achète. L'importateur n'est même pas pris en compte. Moi, en tant que déclarant en douane, si je veux sortir un véhicule et que quelqu'un me gruge, je prends un exemple. Rien ne prouve que les agents de Bénin Contrôle ne pourront pas nous prendre de l'argent. C'est un exemple, mais je dois me plaindre à quoi? À qui? Si, mais en vous même êtes temps. Là pour vous plaindre ou bien. Non, mais d'accord, il faut que nous soyons immédiatement et obligatoirement, je dis et j'insiste, immédiatement et obligatoirement, hein, dans le comité de suivi. Mais quand on dit comité de suivi, le ministre, il est dans son bureau, il peut venir sur les parcs. Le ministre fait enlèvement. Vous avez été écarté du comité de suivi? Bien, je vous lis, voilà, on dit comité, je vous lis rapidement, il est créé en République du Bénin un comité de suivi de la filière des véhicules d'occasion, en son article 1. Article 2, le comité de suivi est composé ainsi qu'il suit. Président, le ministre des infrastructures et des transports ou son représentant. Secrétaire permanent, le directeur des ports. Rapporteur, le représentant de Bénin Contrôle. Membre, le directeur général du port de Cotonou ou son représentant. L'inspecteur général des services de la douane. La session, le chef session escorte spéciale. Mais il n'y a aucun acteur dedans. Mais là, quand je dis, ça dit, ça c'est le pratique. Nous, c'est notre boulot, c'est notre job. Nous, tous les jours, nous sommes sur les parcs. Tous ceux qu'on a en cité là, ils ont leur bureau, non? On n'a qu'à les payer. Mais écoutez, moi je dis, nous sommes dans quel pays? Mais ça là, c'est notre chose. C'est nous, si quelqu'un, je suis devant vous. Il faut que je sois sur le terrain pour vivre la réalité, pour dénoncer. Mais aujourd'hui, Bénin Contrôle est jugé parti. C'est grave. On peut comprendre votre ras-le-bol, mais vous avez reconnu que l'autorité a affirmé aussi devant les écrans que les acteurs portuaires ont été associés. Alors, qui sont ceux-là qui ont été associés? Écoutez, quand vous parlez de... actuellement, nous sommes vers la conclusion. On a pris permettre des gens, ils ont demandé leur expertise, tout ça. Mais moi, je dis... Si la phase opérationnelle. Très bien, c'est la phase opérationnelle. Et mieux, je vais vous dire,
Quand on prend un arrêté en même temps là, ça dit l'arrêté est déjà en cours. Nous avons commencé par payer les BFU. Vous êtes d'accord? Il y a des rubriques dedans. Mais qu'est-ce qu'on a reproché aux gens? On a dit que il y avait la, et qu'on payait pour des prestations non fournies. Oui. Mais c'est la même chose parce qu'aujourd'hui, dans ces rubriques-là, à qui on a confié? On a confié à personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent là va où? Encore où? Vous en êtes déjà là? Mais on a commencé par payer. Mais parce que, écoutez, c'est par jour. C'est par jour, par heure, c'est immédiatement. Nous payons. Systématiquement. Là, systématiquement. Mais moi, j'ai sorti des véhicules dans la semaine. Aujourd'hui, je vais en sortir. Maintenant, il n'y a pas eu certaines répartitions. On n'a pas confié de. Quand on dit, par exemple, les 5500, avant, on avait parlé de ce 50-50, ils sont encore dedans. Mais qui veut faire? Alors que nous avons vu, les parcs sont encore dans leur état. Rien n'est fait. Les mandataires sont-ils confrontés au même problème? Oui, bon. Là, moi, je vais commencer par là où le gouvernement fait des erreurs. Parce que, en tant que responsable, en tant que président de la République ou un ministre d'État, un ministre de la République, avant de faire sortir un arrêté, il doit appeler tous les acteurs. On va s'asseoir pour faire sortir. Vous êtes démis, on ne peut pas appeler tout le monde. Non, le ministre. Au moins plateau, des structures représentatives. Sur votre plateau, j'avais dit que le ministre nous a appelé, nous a reçu pendant au moins 3 minutes. Et oui, vous l'avez dit. Qu'il a dit qu'il comprend déjà nos problèmes. Mais. Et après, avant de faire le toilettage, de l'arrêter, qui va nous appeler. Et chaque structure va désigner 2 personnes. Et ensemble, on va faire sortir quelque chose de sérieux. Mais regardez un arrêté où l'arrêté est signé le 16 juin 2017. Et dans l'arrêté, ils ont dit que ça prend effet à la date de sa signature. Mais subitement sur le terrain, ça a commencé le 6 juillet. Alors qu'ils ont déjà envoyé ça. Et c'est déjà dans le journal officiel. Ça veut dire que depuis le 16, là, le Trésor a déjà pris ça en compte. Mais ce que nous avons payé jusqu'au 6, là, l'argent là va rentrer dans quel compte. Vous voyez un peu? Maintenant, avant de prendre cet arrêté, d'abord, avant de faire sortir le barème, il y a un problème. Il y a un verrou que le chef d'État doit sauter d'abord. Et lequel? Parce que son homologue Boiré a interdit le passage des véhicules du port de Cotonou vers son territoire. Il paraît que les négociations ont évolué dans ce sens. Négociations. Qui a fait cette négociation? On ne peut pas envoyer un douanier aller négocier avec Boiré. Boiré n'est pas un douanier. Boiré, c'est un chef d'État. On ne peut pas envoyer Saka d'aller négocier avec Boiré, non. Il doit sauter le verrou d'abord. Parce qu'une chose est de diminuer et l'autre chose est que les clients viennent. Parce qu'on ne peut pas construire d'enclos en or pour des moutons qui n'existent pas. Non, mais vous exagérez un peu. Depuis il paraît, nous ne sommes pas à tort, on veut savoir, c'est justement la raison d'être de votre présence sur ce plateau. Mais il paraît que depuis le 15, le flux s'est amélioré. Comment? Nous sommes sur le terrain. Non, nous sommes sur le terrain. Gens... Aucun client. Allez vérifier, vous êtes des journalistes d'investigation. Allez vérifier s'il y a des clients sur le terrain. Ça dit, ils ont fait sortir l'arrêté juste pour que Benoît travaille. Parce que le jour où l'arrêté a commencé son application, c'est le jour où le Bécotro a commencé à travailler. C'est dangereux même. Ça ne se fait pas dans aucun pays. Ça dit le chef d'État a traité le gouvernement de faim d'un gouvernement voyou. Mais nous constatons que c'est le même problème qui continue. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui-même qui l'a dit au cours des débats que le gouvernement est un gouvernement voyou. Ça, c'est le même système qui continue. Ouais. Bon, qui va donner l'exemple à qui? Par exemple, sur votre plateau, j'avais parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, sur le terrain, ça se voit. Ça se voit sur le terrain. On ne veut pas associer les acteurs. On veut seulement faire tout en catimini. C'est très dangereux. Le barème, là, regardez, un barème qui est sorti, là, nous avons mis ça en application le 6 juillet. Et déjà, avant une semaine, on a encore changé l'arrêté. On a augmenté 15 000 francs. Mais il faut améliorer. Il faut améliorer. Il n'y a pas d'amélioration. Il y a augmentation de 15 000 francs. Et le gouvernement de 15 000 francs, rentre dans quelle caisse? Parce que juste aujourd'hui, on n'a pas l'arrêté. L'arrêté 0,8, nous n'en avons pas. Mais on n'a pas pu en avoir copie. On a demandé partout. Il y a des gestionnaires qui ont ça. Mais donnez-nous à voir là où c'est l'augmentation. Mais juste aujourd'hui, on n'a pas ça. Oui. Vous baignez dans non, un club dessus? Non, il pose un problème réel parce que... Et il faut le reconnaître, parce que dès que le gouvernement a coupé la ponction sur les gestionnaires sont montés au créneau, mais le gouvernement a rapidement eu peur et on a concédé encore 15 000. Mais même sur le terrain aujourd'hui, au départ, c'est que
les gens nous prenaient encore les 15 000 francs là, main à main. Et heureusement que ça, c'est un peu. Mais le problème, c'est quoi? On prend un arrêté et dès que les gens ronchonnent, on ravise et on augmente, on leur augmente. Donc, on peut augmenter pour tout le monde. Mais moi, je vais plus loin pour dire, lorsque vous prenez l'article 4 de l'arrêté, on dit l'organisation du convoyage des véhicules d'occasion des parcs de vente vers les parcs de regroupement et la gestion des conducteurs prestataires sont confiés aux fonceurs des douanes avec l'appui des militaires. Non. Est-ce qu'on a besoin de militaires dans notre filière? C'est, voilà des trucs. Voilà des incohérences. Mais ça là, non, c'est là, pour la là, grande sécurité. Non, quelle sécurité? Non, là où il y a l'argent, là, nos sous. Mais attendez, dans ton pas là, les gens brassent des milliards, non? Non, depuis des luttes, non, nous sommes en sécurité. Et mieux, je dis. Mais est-ce que ça là, par exemple, c'est notre activité. Hein, est-ce que les gens savent qui a créé ça? Les chauffeurs sont là aujourd'hui, ils prennent l'argent main à main, alors qu'on n'a pas eu de guichet, ni. Si on doit les prendre en compte là, c'est nous-mêmes, c'est pas, on n'a pas besoin de militaires. Et le secteur, ça dit, moi je dis et je le dis, et je le répète. Il faut que les gens nous écoutent. Ça ne peut pas démarrer tout de suite. Ça va démarrer, mais pas tout de suite. Mais des gens qui investissent dans le bon retour. Dans le bon retour. Mais depuis 2010, à cette année 2017, les gens ont beaucoup de bons retours qui sont au niveau de la douane. Comment vous pensez régler ça là? Non, mais ils n'ont pas eu leur sou. Parce que pour les véhicules qui ont franchi vraiment Malinville, il faut leur retourner les 110 000. Mais leur sou étant au niveau de l'État, mais il faut trancher ça là d'abord avant de confier l'escorte à une autre société, telle que c'est marqué ici. Maintenant, cette société, il faut qu'on discute. Est-ce que vous allez payer par quinzaine? Comment ça va se faire? On n'entend rien. Mais les gens sont là, ils réfléchissent, ils se disent, mais non, on va où d'abord? Mais asseyons-nous d'abord pour parler, pour dire nos sous que vous n'avez pas devant vous là, comment est-ce que vous pensez les rembourser avant que nous ne sortons d'autres pour rembourser, pour investir encore? Parce que c'est des gens qui sortent des millions, des centaines de millions pour le bon retour. Maintenant, leurs sous sont bloqués. Vous pensez qu'ils vont encore sortir? Voilà le réel problème que les gens ne savent pas. Il est bien vrai, on a sorti l'arrêté. Et nous prions que ça marche. Maintenant, il y a des boulots d'étranglement. Il faut écouter les acteurs. Et tel que je l'ai dit, nous, non. Écoutez, nous, nos bureaux là sont sur les parcs. Nos bureaux sont au port. Mais nous ne restons pas dans les bureaux climatisés pour prendre des décisions. Non. Et venez nous voir. Ça là, ça ne vous coûte rien. Nous ne pouvons pas marchander. Non, nous ne pouvons pas marchander. Est-ce que les acteurs, vous n'en faites pas un peu de trop? Chaque jour, des goulots d'étranglement. Mais écoutez, non. Si vous avez demandé qu'on revoie les tarifs. Ce qui est normal, c'est fait. Maintenant, j'ai dit, dans un passé récent, quand on a donné Gios à l'enfant de l'ex-président ici, nous avons crié, vous m'avez vu avant, avec bandeau rouge. Mais si aujourd'hui nous ne montions pas au créneau, après on va nous dire que nous sommes aussi complices. Mais ce qu'on a reproché hier, pourquoi ça refait surface et à grande échelle, c'est pas normal. Moi je dis, je le répète, mais nous devons savoir, parce que demain, ce qui se passe demain, on va encore parler de Ségur Gate comme on a dit après. Mais c'est pourquoi tout de suite là, nous tirons la sonnette d'alarme. Moi je m'en fous de qui va prendre, mais il faut qu'on sache que nous ne sommes pas des aveugles, nous sommes de la filière, nous voyons tout ce qui se passe. Moi, m'associer, ce n'est pas ça qui est mon problème. Je suis là pour donner mes expertises, mais tant mieux. Mais vous avez vu ce que j'ai dit. Est-ce qu'on devait mettre Bénin Contrôle dans l'arrêté, directement comme ça, non? L'État peut signer un contrat avec Bénin Contrôle. Mais quand vous mettez directement dans l'arrêté, ça veut dire quoi ça? Et en même temps dans la commission de suivi, on met Bénin Contrôle. Mais attendez, donc Bénin Contrôle est jugé parti. C'est si simple comme de l'eau à boire. On n'a pas besoin de faire son bon. Mais quand on fait la filière véhicule d'occasion, je crois qu'on doit parler comme ça. Mais qui sont les acteurs portuaires qui, finalement, ont été pris en compte? Parce qu'il y en a. Personne. Comment personne? Quand vous êtes un ministre ou vous avez un conseiller, vous désignez quelqu'un de votre famille pour être votre conseiller, qui n'est même pas dans le secteur, comment est-ce qu'il peut vous conseiller? Il ne peut pas vous conseiller. Ça dit, il n'est pas dans le secteur, il ne connaît rien du secteur. Ou, bon, excusez-moi un peu, un journaliste qui n'aimait pas du secteur, vous l'appelez, vous dites, bon, fais mon éloge pour que le chef d'État croit que je suis en train de travailler pour le peuple. Non. Il est en train de travailler pour sa poche. Vous avez quoi contre les journalistes? Non, c'est pas que j'ai quelque chose contre les journalistes, mais seulement, il y a des journalistes. Par exemple, je vous remercie beaucoup parce que chaque fois, c'est vous qui avez l'habitude de nous appeler. Sinon, sur les autres chaînes, si on les appelle, si on dit, bon, nous voulons parler, personne nous appelle. Sauf ces cas. Et chaque fois, c'est sur ces cas que nous passons. Et je vous remercie parce que la fois passée, quand elle est passée, au moins j'ai vu un changement. Au moins, ils ont pu nous faire sortir un contrat en dictaté. Donc, c'est quelque chose que nous sommes en train de faire. Maintenant, il faut que le ministre n'a qu'à corriger ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est dangereux. Il n'est pas le chef de l'État. Il est en train de rendre le chef de l'État impopulaire.
Et si le chef de l'État veut réussir, effectivement, il n'a qu'à se séparer de ce ministre. Sinon, c'est grave. Parce que je ne vois pas un ministre qui veut faire le bonheur des acteurs portuaires sans les associer. Et plusieurs fois, on a écrit au ministre, on a écrit à tout le monde. On ne sait même pas qui s'adressait aujourd'hui. Donc, nous restons dans notre maison pour pleurer seulement. Parce que, un, il n'y a pas les clients, les clients ne viennent pas. Et même, la douane a été chutée. Parce que, bien qu'on est en train de prendre le travail de la douane aujourd'hui. Pourquoi cette tendance au niveau des acteurs portuaires, en l'occurrence ceux de la filière d'occasion, à parler au nom et place de la douane, qui se dit quand même en bonne intelligence avec ce qui se fait actuellement? La douane aujourd'hui est politisée. Parce que vous voyez ce qui s'est passé à la douane. Que s'est-il passé à la douane? Au moment où il veut commencer le PVI, que les produits, que la valeur de bien de contrôle n'aura pas un impact sur les produits de première nécessité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Quand on prend par exemple le volaille, vous voyez comment ça s'est passé? De 1900 à 2000, c'est grave. Et vous prenez les mayonnaises. C'est juste 100 francs de différence? Non, de 1900 à 2000. Pas 100 francs de différence, ça fait 900 francs de différence. 1900 à 2000. Oui, ça fait 900 de différence. Quand vous prenez mayonnaise de 1400 à 2000 francs, et aujourd'hui, normalement, en temps normal, non soit nécessaire, le directeur général doit démissionner. Il doit démissionner. Parce que ça m'étonne qu'il est encore là. Parce qu'il ne maîtrise pas les tests. Mais vous savez que depuis son arrivée, les caisses, à ce niveau, se sont mieux portées. Jamais. Non, ça, c'est comment dire, communication politique. Non, mais vous travailler pour bien contrôler. Donc, toutes ces données ne sont pas réelles? Non, jamais. Allez vérifier sur le terrain, vous allez voir ce qui se passe sur le terrain. Allez vérifier. Parce que quand la filière de véhicules de gaz chute, c'est que la douane chute. Mais vous ne travaillez pas au niveau de la douane pour vous soutenir. Nous sommes sur le terrain, on vit le problème sur le terrain. Et c'est pas là. Parce que, entre-temps, le receveur et son adjoint nous ont appelé et nous ont demandé comment nous allons faire pour que les clients reviennent. Voilà deux autorités de la douane qui pensent comment faire pour renforcer les caisses de l'État. Mais le directeur général de la douane n'est pas en train de faire ça. Quand nous avons parlé sur les réseaux sociaux partout, il a appelé ses amis et il les a dit que prochainement, quand Benoît Koto donne sa valeur et la valeur élevée, considérez la valeur transactionnelle. Pourquoi ne pas venir à la télé pour parler ainsi? Parce que si vous venez à la télé pour parler ainsi, ça veut dire qu'il a trompé le peuple béninois. Il a trompé le président de la République. De quel point de vue? Parce que nous a dit, gros et fort, sur les réseaux sociaux partout, que la valeur ne peut pas avoir d'impact sur les produits de première nécessité. Vous voyez un peu ce qui se passe? Et maintenant, c'est quand quelqu'un se lève là pour dire, oui, chef de l'État, oui, on lui dit d'accord, reste là d'abord. Mais c'est grave, c'est dangereux. C'est seulement pour qu'on lui a vérifié. Ma mère, Jean Lossessi. Oui, bon, ok. Vous voyez, bon, là, j'ai dit, en ce qui concerne la prestation du Bénin Contrôle, on nous parle de redevance tracking pour compte Bénin Contrôle qui est de 23 836 par véhicule d'occasion. 23 000 et quelques. Et le TS douane qui était à 5 000, non, je dis TS, la redevance informatique qui était à 5 000, on l'a augmenté à 10 000 francs pour les douaniers. Je suis d'accord, il y a une réduction. Dans la forme, il n'y a pas de problème, mais dans le fond, c'est ça que nous parlons. Non! C'est-à-dire qu'il ne faut pas déshabiller Pierre et habiller Paul. Moi, c'est tout. Voilà mon problème. Et mieux, dès qu'il vient de le dire, sans vouloir faire l'avocat des douaniers, les douaniers, au départ, eux-mêmes, ils ont dit qu'ils étaient associés, qu'ils apprécient la chose. Et ils n'ont pas tenu d'autres propos jusqu'à présent. Merci beaucoup. Non, mais non, ils vont déchanter tout à l'heure. Ils vont déchanter d'autant plus que, mais à toutes nos frontières, il y aura Bénin Contrôle. Et déjà, la sortie ici, au port, là, il y a déjà Bénin Contrôle qui est là. Il y a un représentant du Bénin Contrôle qui est là. C'est ça le véritable problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une concurrence, c'est-à-dire le douanier ne pourra plus rien faire. Le douanier aussi est surveillé. Moi, ça ne me gêne pas. Hein. C'est quand il trouve l'argent, il ne m'en donne pas. Hein. Mais est-ce que c'est ce qui était prévu au départ? Je sais que même si mon cher frère Lauro SG Sidob, il est quelque part, bientôt il faut l'inviter, il va monter au créneau pour donner son avis. Moi, c'est pas. Il a tout le temps donné son avis. Non, non, non. Mais présentement, là, vous devez l'inviter parce que. Non, on l'a entendu hier, mais aujourd'hui, on ne l'entend plus. Il faut que vous allez le sortir. Quand de... il n'a rien à dire. Allez l'appeler, allez l'inviter sur votre plateau. Il n'a qu'à nous donner ses impressions par rapport aux réalités actuelles. Mme Azano, c'est ça. Deux structures de contrôle pour mener les six, ça relève de l'efficacité.
Non. Lorsque vous travaillez, lorsque vous prenez le cas de la présence de Bénin Contrôle à la sortie portuaire, oui. Le douanier fait son travail et on leur reproche souvent ce qu'on leur reproche. Oui. Bénin Contrôle est là, apporte son regard. Désormais, eh ben, tu me suivais, je te suivais. Évidemment, mais ça permet de limiter les dégâts. Nous, en tant qu'acteurs sérieux, ça ne nous embête nullement. Mais rappelez-vous, dans un passé récent, les douaniers sont montrés au créneau pour dire que c'est en train d'être dépossédé. Merci, dépossédé. Mais maintenant, aujourd'hui, ça se fait et personne n'en parle. Moi, je ne veux pas être l'avocat. Je ne suis pas, je fais pas partie du syndicat de la douane. Mais tout compte fait, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, moi, je dis, je suis et je demeure acteur de cette filière-là. Mais nulle part, je dis bien nulle part, parce que il y a des attitudes que nous avions créées nous-mêmes. C'est ça. Maintenant, on prend tout ça là, on dit que mais les militaires vont faire. Vous pensez que nous, on a vraiment besoin de militaires pour faire le mini-convoyage? Non. On n'a pas. C'est notre génie qui a créé ça. Maintenant, on veut prendre ça et donner aux militaires. Non. Les militaires n'ont qu'à faire autre chose. Les militaires n'ont qu'à aller faire autre chose. Et moi, je dis, je le répète, hein, parce que le véritable problème, et je suis en train d'exorciser les trucs. Si on nous écoute, ça ira. Mais sinon, nous allons croiser les bras et vous allez voir, ça va encore, ça va chuter. Ça, il faut nous écouter, il faut nous associer. On n'associe personne. Je dis surtout pour la faisabilité de la chose sur le terrain. Il faut quand même. Comment on peut faire comité de suivi? Et moi, par exemple, je suis tout le temps sur le parc pour faire enlèvement. Et maintenant, j'ai dit, vous êtes dans votre bureau, vous pensez connaître la réalité plus que moi. C'est impossible. C'est pas miracle, ils sont non ça. Donc alors, j'interpelle le président de la République. Aujourd'hui, il n'est plus homme d'affaires. Il est président de la République, le président de tous les Béninois. Il n'a qu'à nous écouter. Et moi, je dis, je me rappelle le président Kérékou nous a reçu une fois au palais. Il n'a qu'à rassembler tous les acteurs pour qu'on lui parle. Il faut qu'il nous invite. Aujourd'hui, il n'est plus opérateur économique. Il est président de la République. Et par rapport à tout ce qui se passe, moi, je dis, et nous devons crier. C'est-à-dire, moi, c'est pas être contre le gouvernement. Vous avez l'impression qu'il n'est pas là pour tout le monde? Du tout pas. Par rapport à ce qui se passe là. Non. Parce que, vous, écoutez, moi, je dis, je l'ai souvent dit, le président a dit que notre frère, Olivier Bocor, est son ami. Personne ne lui refuse d'avoir une amitié du genre. Mais il n'a qu'à situer quelqu'un comme ça. S'il est ministre d'État, il n'a qu'à le nommer carrément ministre d'État, qu'on sache. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui là, il y a quelque chose, on dit d'aller voir tel. Mais alors que le monsieur n'a pas de portefeuille ministériel, voilà des trucs que nous reprochons. Moi, je ne suis pas contre qu'il soit auprès du président de la République. Mais il occupe quel poste? Qu'on lui donne tout de suite un poste pour que demain, on ne dise pas que c'est encore de la manière où M. Cissé est resté au Bénin, hein, au temps de la Révolution, il terrorisait tout le monde dans les ministères. Non. Mais alors, l'homme vous critique de l'ombrage. On évoque tellement son nom, à croire que c'est avoir de la dent contre lui gratuitement. Du tout pas. Non, vous savez, tout l'argent là, vous pouvez avoir 1000 milliards, vous allez mourir laissé sur cette terre. Mais l'homme n'intervient pas au niveau de l'homme, votre filière, non? Ah, en tout cas, ce n'est pas moi qui le dis. Allez voir, allez chercher. Moi. Maouf, vous avez poussé un ouf là. Mais aujourd'hui même, quand vous prenez le CNCB, ils ont supprimé les choses. Comment dirais-je? Ils ont supprimé les BSC. Oui. Ils ont rattaché ça. Ils ont donné ça au port. Et maintenant, avant, c'était. Il a été dit que c'est pour plus d'efficacité. Non, quelle efficacité? Il y avait une société nommée Fournis qui gérait ça. Mais, qui aurait été défaillante? Non, jamais. Jamais. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, c'est Olivier Bocor qui est en train de gérer ça. Bim. C'est lui qui est en train de gérer. Donc, quand on va parler de trucs, de Bénin Contrôle, Bénin Contrôle, c'est Olivier Bocor qui est en train de gérer. Bénin Contrôle est en train de gérer notre plateforme portière. Bénin Contrôle. Bénin Contrôle, actuellement. Parce que Bénin Contrôle, maintenant, est devenu douanier. Non, parce qu'ils sont en train de faire le travail de la douane. Bah, vous faites ce que vous n'exagérez pas un peu dans vos expressions. À l'intérieur du port, à la sortie du port, il y avait quelqu'un de Bénin Contrôle. Quand le véhicule veut sortir du port, la douane ne contrôle plus. On vous colle, laissez présentement, passer. Présentement, la douane ne contrôle plus. On vous colle, laissez passer, vous allez partir. Alors que Bénin Contrôle ne fait pas le suivi électronique. Non, c'est pas une réalité. Il n'y a pas de suivi électronique sur le terrain. Ça veut dire que ce véhicule haut de gamme peut rentrer dans des maisons et encore se retrouver sur le territoire national. Il n'y a pas encore de suivi électronique. Alors qu'à la douane, mais c'est réel. Il n'y a pas encore de suivi électronique. Donc nous payons de l'argent sans prestation. C'est ce que je suis en train de dire. On va donc, il n'y a pas de suivi électronique encore. Je n'ai pas signé un cas de chat avec le Bénin, avec l'État béninois. S'ils n'ont pas signé un cas de chat avec l'État béninois. Peut-être que ça a été fait sans que vous ne le sachiez. Non, peut-être qu'ils vont encore sortir un autre cas de chat antidaté. Parce qu'ils sont capables de tout.
ils n'ont pas un cas de charge. Et maintenant, si on prend l'ancien cas de charge, Bélicoto gagne plus sur l'État. Parce que Bélicoto gagne son 10% de la recette. C'est ça qui a mené le débat. Entre... Mais c'est l'ancien cahier de charge. Voilà. Si il n'a pas un autre cahier de charge, ça veut dire que c'est l'ancien cahier de charge qui continue. Et maintenant, la douane même, n'a qu'à venir nous expliquer. Nous, quand on dit ce qui se passe exactement, la douane est en train de refuser ses responsabilités. Aujourd'hui, on ne sent plus la douane sur le terrain. C'est comme si la douane est privatisée. Et c'est les agents de Bélicoto qui remplacent aujourd'hui la douane. Dans aucun pays. Parce que les douaniers, c'est à coup des milliards de l'État qu'on les a formés. Mais Bélicoto, qui les a formés, eux, ils vont prendre la place de la douane. Maintenant, quand vous allez sur le terrain, quand vous les voyez sur le terrain, c'est-à-dire, c'est comme ça, ça croit que ce sont des douaniers. Ils disaient, même la fois passée, ils ont dit que la douane n'a pas le droit de contrôler les véhicules. Quand si on vient sur le terrain, si on vient, on leur donne le papier et c'est fini. Mais attention, le TSA dit que c'est la douane, le douanier est le dernier qui va contrôler le véhicule avant que le véhicule ne sorte. Ce n'est pas le béni contrôle. Moi, je reconnais, mais pas le béni contrôle. Donc, c'est parce que le chef de l'État, entre guillemets, est le président du Bénin Contrôle, le PDG du Bénin Contrôle. Vous savez, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le chef de l'État s'est désengagé par rapport à ses activités. Vous l'avez suivi. Comme mon doyen a dit, pourquoi le chef de l'État a entrepris ses responsabilités? Depuis qu'il est arrivé, est-ce qu'il a reçu un seul citoyen béninois? Ceux-là qui l'ont voté à 65%. Non, il n'a jamais reçu des citoyens béninois. Non, jamais. Il n'a reçu que ses amis. Il n'a jamais reçu un citoyen béninois. C'est dangereux. C'est quoi la différence que vous faites? Les citoyens béninois, les amis, ne sont-ils pas des citoyens? Non, il y a des... Attention. Moi, par exemple, nous, au port, ils peuvent nous recevoir au temps de Yaïboni. Mais si le ministre vous reçoit déjà, le chef de l'État ne peut pas se situer à ses ministres. Les ministres sont là pour ça. Je n'ai pas voté pour le ministre. Mais j'ai voté pour le chef de l'État. Non, ne lui demandez pas trop. Mais à Zan Lousse, parce que ici, maintenant, ça dépend déjà le ministre. Parce que le chef de l'État, au lendemain de l'augmentation de 15 000 francs, les journaux disent que le chef d'État est contre. Mais si le chef d'État est contre, et aujourd'hui on ne compte pas payer, et sur les réseaux sociaux, nous mettons ça sur les réseaux sociaux pour dire que c'est dangereux, ça veut dire que l'argent rentre dans sa poche, et lui-même n'agit pas, ça veut dire que nous sommes en train de dire la vérité. L'argent là, ça rentre dans sa poche et dans la poche de certains gestionnaires de parc. Ma mère, Zan Lousse, ces sorties, ces déclarations, ces prises de position que vous faites face à une volonté manifeste quand même du chef de l'exécutif de faire déplacer les pions dans le bon sens, est-ce que cela n'aurait pas été plus heureux que de taper à d'autres portes si tant que votre ministre de tutelle directe, pour parler du ministre des infrastructures, n'est pas accessible? Il y a quand même d'autres ministres au sein du gouvernement. Non, écoutez, vous savez, non, c'est dommage, hein, monsieur le journaliste. Moi, je ne connais même pas où se situent nos ministères. Je ne suis pas quelqu'un qui peut raser les murs de nos ministères, non. Aujourd'hui, nous ne sommes pas rassasiés, nous n'avons non plus faim. Mais je dis et je le répète, le président de la République, il n'a qu'à nous écouter. S'il suit les émissions, il n'a qu'à nous appeler, nous on va lui parler. Moi, vous pensez que j'ai foi à ces ministres-là? Non. Quand un ministre qui fait, on fait un comité de suivi et on pense que obligatoirement, en réalité, si les gens ne savent pas, nous allons leur rafraîchir la mémoire. Depuis le temps du général Mathieu Kérékou, quand on a parlé de comité de suivi, vous savez ce qui se passait? C'était le conseil technique, le CT du président de la République. Aux activités portuaires, c'est lui. C'est ce dernier qui est souvent le président. Mais il y a une jurisprudence où, en tant qu'un CT a été nommé ministre. Et c'est ça. Donc, en réalité, ce n'est pas leur chose. Non. Au fait, c'est le comité de suivi doit être profilé de manière à être le regard, l'œil directement du président de la République. C'est pas là. Non, ils sont jugés partis. Je dis et je le répète. Le comité de suivi est l'œil du président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend les acteurs et dès qu'il y a problème là, ces acteurs se regroupent pour faire une lettre directement au PR. Mais si moi je serais acteur et c'est le ministre qui doit prendre encore mes doléances et puis enlever ce qui lui plaît et dire que tout va bien sur le terrain, alors que rien ne va. Voilà le véritable problème. Donc je dis et je le répète, si le président de la République s'il nous écoute, il faut qu'il sache que ce comité de suivi là qu'on a mis sur le terrain, c'est un comité bidon à déchirer, à détruire immédiatement, sans même d'autres procès, à détruire, parce que c'est notre chose. Mais on vous parlez de suivi, c'est notre chose, vous dites, qui veut suivre? C'est à nous, c'est pas à nous de suivre. Je suis tout le temps sur le terrain, je fais enlèvement, vous ne faites pas enlèvement, vous dites, s'il y a problème d'accès, qui est en contact directement avec ceux qui vont nous rançonner? Si c'est pas moi, c'est pas le ministre, et on va leur faire rapport pour dire non, ça va.
quand moi je rentre dans un bureau, ce que je donne, ils sont au courant, ils ne peuvent pas savoir. Mais donc c'est à moi de leur dire qu'à tel niveau, il y a renseignement. Sous réserve de ce que vous allez apporter et de ce qui sera annoncé peut-être dans les tout prochains jours, c'est dire quand même que c'est en votre sein qu'on a dû écouter un certain nombre de suggestions pour élaborer ce que aujourd'hui vous remettez en cause. Alors, non, au lieu de s'en prendre à l'autorité, est-ce qu'il ne faille pas faire le ménage en votre propre sein, à te portuer que vous êtes ? Non. À notre niveau, il n'y a aucun problème même. D'ailleurs, aujourd'hui, parce que le problème, c'est ça que je vous dis, mais on a diminué le coût, d'accord. Nous sommes tous d'accord, on a produit, c'est ça, je dis, la forme. Mais quant au fond même là, ça pose problème. Parce que, moi je dis, je le répète, aujourd'hui là, nous payons déjà, mais il n'y a pas de prestations fournies. On n'a pas signé d'agrément pour que je sache que, dès que j'aurai problème, parce que regardez un peu. Mais dans un passé récent, on a parlé d'aménagement des voies interparcs, qui est de 5500, c'est retenu dedans. Mais à qui est-ce qu'on a donné? Est-ce que les parcs ont commencé par être réaménagés? Nous voulons savoir tout ça là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va responsabiliser chacun par rapport aux agréments, nous n'avons pas besoin d'aller voir un ministre ou le président de la République. On sait le directeur, regardez un peu. Aujourd'hui, il y a SPA qui fait les plaques, non? Les bandes adhésives. Oui. Si j'ai un problème, j'ai pas besoin d'aller voir le directeur des transports terrestres. Je vais voir le DG SPA pour dire, ah, à ce niveau-là, j'ai une bande adhésive qui n'est pas vite aussi, il va régler. Donc, il faut responsabiliser chacun dans la filière. Et nous, par rapport à nos problèmes, on ira vers ceux qu'on a responsabilisés, c'est tout. Mais quand on veut, si c'est Bénin Contrôle ou l'État qui veut tout faire, ça ne marchera pas. Voilà ce que nous dénonçons. Et mieux, je dis et je le répète, ce qu'on a reproché hier aux autres, il ne faut pas que cela revienne. C'est tout mon problème. Je ne veux pas. Des gens, s'ils veulent être riches, s'ils veulent amasser immensément l'argent, et peut-être ne pas mourir, ça fait leur problème. Mais je dis, il faut que nous, là, le peu qu'il y a pour nous, là, qu'on nous laisse ça. Parce que nous sommes des techniciens en la matière. C'est notre chose. C'est notre affaire. Mais écoutez, c'est notre affaire. Il y a des trucs, on doit le voir. Quand on ramène des véhicules de l'Europe, pour transférer ces véhicules, du PTU vers les parcs, là, vous pensez que l'importateur peut aller dormir tranquillement chez lui et dire à quelqu'un d'autre, qui ne connaît même pas la valeur du véhicule, de lui faire transférer ses véhicules, pour que les gens dépouillent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit ce qu'on met comme barrière, comme sécurité lors du transfert, l'importateur est obligé d'être sur le terrain lui-même, parce que c'est lui qui a investi. C'est son argent. Donc, il ne peut pas être tranquille à la maison et dire, non, je suis sûr, ils vont me transférer mon véhicule sans problème. Non, il est obligé de venir sur le terrain. Et donc, c'est pourquoi je dis, mais vous n'associez pas ces gens-là. Et on pense qu'on a bien fait. Je dis, je répète, ça, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Maouf Salami, la question posée précédemment à Mamie Azano Sessi, je vous la repose. Ne faille-t-il pas essayer de laver le linge sale en votre propre sein? Merci, monsieur le journaliste. Ça a déjà commencé. Ça a commencé avec le nouveau receveur où il nous a réunis pour dire maintenant, prochainement, qu'on doit se réunir en un seul groupe. Et maintenant, ceux qui vont opérer au niveau du terrain, au niveau de chaque bureau, doit être les mandataires. Et non, chaque fois, aller voir un chauffeur, remettre un dossier, un chauffeur d'aller faire l'enlèvement. Non, que c'est plus ça maintenant. Donc, on a déjà commencé ça depuis. Maintenant, là où moi je veux aller, il y a quelque chose qui se passe ici, parce que quand on ne comprend pas quelque chose, il faut demander. Parce que ici, ils ont créé frais de parc de regroupement d'accueil aux frontières. Je ne sais pas si Bénin Contrôle a déjà construit des parcs aux frontières de regroupement. Pourquoi Bénin Contrôle? Oui, parce que jusqu'ici, c'est Bénin Contrôle qui gagne plus que tout le monde. Parce qu'ils ne nous ont pas désigné une structure pour dire que c'est la structure qui veut faire telle chose. Juste aujourd'hui. Parce que dans l'arrêté 044, c'est bien dit dedans, chaque structure qui doit prendre la prestation est bien indiquée dedans. Mais ici maintenant, ils nous ont rien dit dedans. Ils ne nous ont pas montré la structure, ça veut dire que... Ça peut être le ministère de tutelle. Non, ça veut dire que c'est Bénin Contrôle parce que c'est, ici maintenant, l'arrêté, c'est Bénin Contrôle. Ils ne peuvent pas être le Bénin Contrôle. Alors que ce que Bénin Contrôle gagne plus que la douane même, plus que l'État. Vous l'avez dit, oui. Et c'est ça qui est grave, c'est dangereux. Parce que je ne peux pas payer un frais. Un frais ici, et maintenant à la sortie, je ne veux pas voir les packs. Parce que quand vous sortez, vous allez voir que
le parc d'accueil. Il n'y a pas de parc d'accueil, ils gardent le véhicule dans des maisons ou même quelque part. Ils sont en train de surveiller pour que si les éléments de Boari passent là, ils vont vite passer pour aller pour rentrer dans le pays. Parce que sur le long de la frontière, ils ont passé des éléments, des militaires. Et aucun véhicule ne veut rentrer. C'est pourquoi aujourd'hui, les clients sont rares. Vous voyez? Eh bien, vous continuez pas à payer ces frais. C'est dedans. En même temps, on paie tout. Parce que c'est 290 000 paies. Mais pas véhicule. Et dans les 290 000, là, il y a déjà les frais. Et cet arrêté date de quel mois? Le mois de mai, il me semble. Le mois de juin. 16 juin. 16 juin. Mais il y a eu un temps de latence où on n'a pas commencé l'application immédiate. Certes, on a écrit que on devait commencer l'application à la date de 68, mais non. Et je crois qu'on a commencé en juillet. 6 juillet 2017. Ils ont attendu d'abord l'installation de Bénin Contrôle. Ça veut dire que le ministère est en train de travailler pour Bénin Contrôle, et non pour la République. Ce n'est pas la République même ça. C'est Bénin Contrôle. Bénin Contrôle, c'est une société privée. Ce n'est pas une société d'État. Où il faut attendre d'abord l'installation de cette société privée avant de commencer par travailler pour l'État. Ça veut dire que le ministre n'est pas un ministre de la République, mais un ministre de Bénin Contrôle. Oui. Oui, ma mère Zanlo Cécile. Oui. Votre problème, on a vraiment comme l'impression que vous avez la dent dure contre une structure qui est venue vous faire plutôt de l'ombrage. Non, même pas. Vous savez, nous demeurons égales à nous-mêmes. Comme je vous l'ai dit tantôt, en tant qu'acteur, quand vous m'invitez ici, vous voyez, je dis la vérité telle qu'elle est. Dans cette vérité, oui. On vous suit aujourd'hui, et oui. On se rappelle un peu vos prises de position il y a quelques temps. Oui. C'est à croire que vous faites partie peut-être des déjà fâchés de la République, non. Qui n'aurait peut-être pas eu le retour de la manivelle. Non, même pas. Vous savez, c'est ça que je dis. Je ne suis pas, moi, je suis pas matérialiste. C'est pas à faire de retour de manivelle. Mais je dis, c'est pas qu'on ait supporté le président parti Talon ou non, là. Vous pouvez même être aujourd'hui son opposant, là. Si vous êtes dans la filière, vous êtes utile là. On est contraint de vous associer. Voilà le problème. Moi, je dis, hein, eux-mêmes disent, il y a des gens, hein, ceux qui se rapprochent d'eux, ils disent que ils ont, pour le président parti, ils ont utilisé des mercenaires, comme ils sont déjà payés, qu'ils n'ont plus besoin d'eux. Moi, je m'en fous. Moi, je n'ai rien demandé à quelqu'un. Aujourd'hui, là, vous les appelez, les gens ne décrochent pas. Vous pensez que. Moi, je ne quémande pas. Hein. Mais je veux gagner mon pain à la sueur de mon front. Maintenant, vous battez pour la suivi de votre activité. Donnez à César ce qu'est à César, à Dieu ce qu'est à Dieu. Je dis et je le répète. Mais ceux-là, ils ont quitté où pour venir dans notre filière. Nous, c'est nous qui avions créé la filière. Je défie quiconque me dira le contraire. Ma mère, c'est ceci. Je si fais vous avez... partie des géniteurs de cette filière. Si donc, vous avez un message ultime, parce que le temps est oui, mais si, terminé. Ah, c'est aller vite quand même. Oui. Mais si j'ai un message... Et ultime, aujourd'hui, c'est à l'endroit du président de la République. Parce que je dis, je le répète. Et quand il y a un aspect que j'avais oublié, quand je laisse même la filière, parce qu'il n'y a pas, au port, il n'y a pas que la filière véhicule d'occasion. Oui. Pour entrer au port aujourd'hui, là, il faut payer brassard 2000 quelque. Alors, quand brassard. Brassard, très bien, oui. Brassard. Hein, vous mettez quelque chose, là, ça fait 2000 quelque. Alors que Calomé, vous payez 300 francs pour toute la journée. Voilà des aspects qui ne sont. C'est-à-dire, il n'y a pas que et les véhicules d'occasion, quand moi je suis déclaré en douane, je suis au port, je vois tout ce qui se passe. Hier, j'ai quitté le port pratiquement à 0h. Vous voyez un peu. Mais quand vous prenez les conteneurs qui sortent du port, nous payons l'engage qui est à 16 500. L'engage qui est à 16 500. Alors que les conteneurs qui vont sur le terminal d'Alada ne font pas l'engage, qui ne payent pas les 16 500. Ma mère, c'est ça dit que ces conteneurs ne vont pas tomber. Merci, moi, merci, le terre complètement il faut que le président de la République nous vous écoutez, oui, vous avez envie d'ajouter? Oui. Non, vous avez 30 secondes. Bon, merci beaucoup. Et j'invite tous les acteurs portuaires au calme et à la sévérité et d'attendre. On va voir ce qui va se passer. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, 100% Bénin. C'est terminé. Pour le numéro du jour, nous y mettons un terme sur cette citation de l'écrivain français Nicolas Boileau. Je cite, « Aimez qu'on vous conseille et non pas qu'on vous loue. Vous y gagnerez davantage en grandeur. » Merci infiniment à vous pour votre aimable attention. À très bientôt.